Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Il est 7h. J'ai pas envie. Je suis claqué de ouf. En plus, j'ai dormi la fenêtre ouverte, il fait froid. J'ai chopé mal à la gorge, j'ai trop mal à la gorge. C'est parti pour une nouvelle journée. Outfit of the day. J'ai un dog bag mais je l'ai pas mis. J'ai mes docks, le jean de à sauce encore, mon pull, je sais pas, mes bagues toujours pareil, ma gueule, mon père, ma mère, mon tote bag Uniqlo et puis c'est ciao. J'aime pas trop ma tenue, j'aime pas ma gueule, je suis un peu de mauvaise humeur, donc parti. Dis-nous ce que t'as, Manu. Alors là, j'en ai mis deux. Il est 8h40, elle a envie de vomir quoi. La. De quoi, meuf? Pourquoi l'a pas mis? Tu vas être quoi? Moi, j'ai plus sur des semaines et des semaines. S'il y a 12 épisodes. Je pense un peu une star. Je le dis. Au début, ou à la fin, la qualité des dossiers, il y en avait plein qui avaient l'impact de la résolution, et aussi il y avait bons projets, mais j'ai choisi, donc c'est. Oh, yes! J'ai vu le tournage, hein, ça fait. Ouais. J'ai été pris. Something about you! On va chercher des gaufres, mais il n'y en aura plus parce qu'il est déjà 11h. Oh, mais elle est dégueulasse ta caméra. Donc, mon super groupe, super fort, super doué, super intelligent. On n'a pas été pris en fait pour continuer notre court métrage. J'ai seum, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de sauter, j'ai envie de quitter l'école. Mais je vais pas le faire parce que je suis une grosse merde. Bref, on a forcé, j'espère que. Cette conne, elle va nous accepter. Plein aujourd'hui, c'est le bureau des plaintes. Très mal. Ah, le potage, est-ce qu'il est bon? Il est un peu liquide. Attends, faut que je le raccroche au sang. On lui a volé son paquet. Il reste un bonbon. Il y en a encore plein dedans. Comme d'hab, faut changer, tiens. T'as pété, Nathan? Tu veux un tuto chier dans la culotte? Ta gueule. Tu vois à qui? Ok. Ça va toi? Ça va toi? L'audace. Pas du top hein. Bah non. J'ai froid, ils ont eu la bonne idée de mettre la clim. J'ai froid. Fallait la mettre il y a une semaine. Il y a une semaine on crevait de chaud et là on a froid. Paul de merde. Tout le monde a levé la tête. Ça fera pas de mal un peu de tâches ménagères. Non. C'est bon, tu crie pas. Ça fait mal. On est en pandémie mondiale et tu veux me faire un bisou. Je peux jouer à Minecraft. Non. Moi, hauteur, moi, hauteur. Elle est vexée parce que j'ai pas réussi. C'est toi. Jeu de tracteur en français. Je rentre chez moi, bonjour madame. Bon alors, j'ai vu une vidéo sur TikTok, enlever ses lentilles plus facilement parce que c'est un peu genre... Enfin en soi c'est pas compliqué d'enlever des lentilles, c'est pas chiant, enfin si c'est un peu relou mais ça va. Mais là il y a une technique genre hyper simple où t'as juste à tourner l'œil et fermer l'œil et ça sort. Du coup on va essayer. Je suis encore en train d'écouter l'album d'Harry Styles, j'adore. On est passé de clavicule à temps de novembre, 3 minutes à Paris. C'est pas fou. Je vais vous mettre la vidéo juste là, si ça marche, c'est un truc de ouf. You've got the cinema. Et ensuite tu blinks. Ok. Marche pas. Je vais essayer avec l'autre œil. Ça marche grave pas. Putain, je suis dégoûtant. Marche pas juste pour un con. Et qu'on se le dise. Attendez, je vais vous mettre autre part pour que vous voyez. J'ai mis ma caméra à l'envers mais ça marche de ouf. Genre regardez.
Faut, bon, ouais, j'ai pas, je vais écarter quand même la vidéo. Ah putain, monsieur, tu me donnes. Et ensuite, tu regardes. Ah, je grave pas. Et là. Putain, pourquoi toujours. Toujours trouver des trucs. Je me dis, ça y est, je vais enfin trouver la technique. Pour pas mettre le doigt dans l'œil. Mais la technique du doigt dans l'œil marche très bien. C'est fou quand même, là, j'enlève mes yeux. Non mais voilà, bon ma TikTok elle est bien plus... Enfin je suis sûr c'est moi hein. En soi, la meuf elle a... Comment tu veux qu'elle truc ça? Genre si elle a réussi, elle a réussi. Mais je pense mes yeux sont trop... I don't know and honestly I don't care. Je vais aller manger, je suis pas très faim mais j'ai faim quand même. Juste vous faire un petit haul course, même si en soi j'ai presque rien acheté, c'est que des conneries. J'ai réacheté là les chips spicy parce qu'elles étaient vraiment très très bonnes pour le coup. J'ai acheté des nouilles parce qu'il me semble que j'en ai encore mais je savais plus, du coup j'en ai racheté parce que j'ai fait une recette. Nouvelle sauce vinaigrette, je me suis dit je suis bourguignon, la moutarde, donc on a pris de la sauce à la moutarde. Des tuiles au barbecue parce que j'adore ça. Voilà, c'était le petit haul un peu inutile. Je crois qu'aujourd'hui j'ai pas bossé. Parce qu'ils ont un problème avec la plateforme de travail, du coup ils sont en train de la réparer, du coup j'ai pas travaillé. Donc en soi ça me dérange pas tant que ça mais j'ai envie de me faire de l'argent quoi. Bon, Luna vient de m'appeler, on va au théâtre. Elle m'emmène voir un truc, je sais pas quoi, mais j'ai envie de dire let's go. Du coup, faut que je bosse. Je repars. Bon, du coup, j'ai tout fait en petit tchac. J'ai monté ma vidéo, fait la miniature. La miniature est pas très belle, mais bon. Et en fait, parce que Luna m'a appelé, elle m'a dit ça te dit, on va au théâtre et tout. Du coup, j'ai dit oui. Du coup, là, je dois la rejoindre. C'est pas du tout proche de. Enfin, pas loin de chez moi, mais c'est pas proche non plus. Du coup, j'ai à peu près genre 25-30 minutes de métro, je crois. J'ai même pas regardé où faut que j'aille. Enfin, je sais quelle pièce c'est, mais je me suis pas renseigné, genre, c'est un truc chic ou pas. Du coup, j'y vais comme ça. Mais je sais pas si. Enfin, déjà, je sais pas si ça me plaît. Je sais pas si la tenue, genre, me plaît. Je trouve que ça me met pas en valeur, je trouve. Mais je pense, en même temps, je vais avoir trop chaud. Donc, en fait, j'ai enlevé la veste et je vais y aller qu'en sweat. Enfin, en fait, je vais garder ma tenue de tout à l'heure. Du coup, j'ai trouvé une autre tenue. En plus, ça va bien avec le mood, genre, il pleut et tout. Du coup, j'ai mis ma grande veste. En fait, c'est un peu une veste de costume, mais elle est oversize. Du coup, genre, ça fait pas trop. Enfin, ça fait pas chic. Mais du coup, c'est beau. Mais ça rend mieux en vrai que. Avec mes docks. Voilà, du coup j'y vais comme ça en plus j'ai pas trop froid. Je sais pas quelle ligne de métro prendre, parce qu'il y en a une qui va un peu plus que l'autre et je suis allé dans une autre. Mais il fait vraiment pas beau genre, je sais pas s'il pleut encore. Non, c'est déjà ça. Par contre il y a une odeur dans mon appart, genre ça sent très bon mais ça sent quelqu'un que je connais mais je sais pas qui. Ça me fait un peu flipper. Je suis désolé, critiquez si vous voulez mais j'aime beaucoup ma tenue. Enfin en fait ça me rappelle les tenues d'automne, genre là j'ai l'impression, bah, en même temps vu le temps on est un peu en automne. Et ça me rappelle les tenues d'automne et ça m'avait un peu manqué. Enfin j'aime bien les tenues d'été, les petites chemises, mais ça fait plaisir de remettre ça un peu. Bon juste pour une journée, hein, on va se calmer. Le froid, flemme. Du coup, j'y vais parce que là, je suis en retard. Ah, j'ai pas donné mes bijoux. C'est pas mal qu'il y ait une sortie, mais je suis presque arrivé et en avance. Ça paraît un peu sus. Voilà le théâtre, il y a personne devant. Luna m'a dit qu'elle arrive dans 2 minutes. Je sens un peu le bourbier. Hey. Quoi? Mais non, t'en as acheté un? Non, mais c'est pas la pluie, c'est la transpiration de la salle de. Elle sort du sport. Ah merde, on est lundi. Oh, du mardi au samedi, Luna. Non, il fallait que... Monsieur, bonjour. Bonjour. Je viens savoir si vous auriez des tests de grossesse, s'il vous plaît. Il y a du retard déjà? Vous voulez un test précoce? Il y a du retard? Non, il y a un peu de retard. Non, une dizaine de jours. Un test classique, ça devrait suffire. Enfin. Premier prix, ouais. Ou pierre bleue. Bah, peu importe. Allez, où? J'ai son test de grossesse. Elle ose pas venir, la cocotte. Cadeau, ma belle. Elle m'a dit, vaut mieux le faire le matin. Les urines sont plus concentrées. Un bubble tea. Oh, on dirait Louis Vuitton, le logo. Ah. Et Luna. Attends, là, je suis moche. Là, je fais un effort. Elle sort du sport. On est à Opéra, comme d'hab. Pour combien on fait une bêtise? De mon choix. Une. Oh non, alors là, c'est ton choix. 10. 1, 2, 3, 7. Et à l'inverse, si je te fais faire une bêtise. Pour 2. 1, 2, 3, 1. Oh, c'est nul. C'est quand même. C'est bon, on a bu notre bubble tea. On a fait notre séance potin. Maintenant, elle casse tous les eyeliners de Sephora. On y est pour 4 heures. Regarde, ma langue, elle est jaune. Moi aussi. Pourquoi elle est jaune, la mienne? T'as mangé quoi? Tu peux te dire, je viens de dîner chez toi. Ensuite, tu peux te dire, je viens pas dîner chez toi. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans la cave. Il y a 3 minutes, elle était en train de m'engueuler. Parce que j'ai des choses à gérer. Attends, là, c'est un monument historique qui s'appelle l'Opéra de. 21h30, il pleut à saut. Ah, un saut, non, ça va. Je prends un vélo pour rentrer chez moi. Parce que j'ai pas envie de prendre le métro. Je suis
suis mort d'entendre parce que je trouve ça plus stylé et j'ai l'impression que le son est meilleur. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Du coup, je viens de rentrer, j'étais trempé, mais c'était trop fun. Avec les musiques de forêt et tout, j'avais adoré. Du coup, là, je vais manger. Franchement, je mangeais un truc en tchitchak. Genre, j'ai vraiment pas envie de me cuisiner parce qu'il est presque 23h, donc j'ai pas la motivation de cuisiner. J'ai mal de tête, je suis pas dans le mood. Et j'ai un truc à peu près d'une heure à faire urgent que je peux pas décaler. Donc, je suis obligé de le faire là. Oh putain, j'avais envie de me faire des nouilles au soleil. Du coup, je pense qu'on va juste faire un repas. En fait, j'ai rien de tout prêt. Bon, on voit rien. J'ai fait ma salade. J'ai mis la sauce à la moutarde que j'ai acheté tout à l'heure. Je vais te dire, je suis bourguignon. Mais là, ça arrache la gueule, j'en ai beaucoup dormi. J'ai dormi, là, il est déjà genre 1h15. Du coup, je vous souhaite une excellente journée de nuit. Peu importe à quelle heure vous regardez ce vlog. Moi, je vous dis à demain. Ciao. Bisous.